Je remercie les frères et sœurs qui sont venus de loin et qui sont aujourd'hui présents dans cette salle à l'invitation de l'association de Voix Équitable. C'est un certain groupe de l'association de Voix Équitable qui a organisé cette rencontre de réflexion qu'on vous donne ici, de réflexion sur le rôle de la diaspora polonaise dans le développement au niveau de région, à savoir la région du Kabali et la région du Kémon. Ces associations qui se sont réunies ont choisi un porte-parole pour faire passer leur message. Le 1er septembre, dans les retours, lorsque nous étions à Torino, il y a l'un des nôtres, Miguel Frère Sédi, qui disait, Jean-Baptiste, par-ci par-là, des spécialistes d'Afrique, des spécialistes de telle région, de tel pays, de tel aspect, des mêmes des spécialistes, oui. Est-ce qu'un blanc peut connaître des problèmes que je connais moi, né de père et de mère guéri? Alors, cela nous a donné assez à réfléchir et à choisir parmi nous un conférencier à la personne de Fouillet, du Pédé-Béné, qui est un fils de l'Orégé. Je voudrais lui donner la parole pour donner le message que vos frères et sœurs de l'Italie ont pour vous. Mais vous faites cette occasion pour vous remercier à la décision de l'être que vous faites du temps et qui permet de vous remercier vraiment de votre intelligence. Merci. Je vous dis tout en temps. Nos deux régions, ouais, les deux, la Côte d'Ivoire,
cette terre qui nous a vu naître pour la plupart d'entre nous, cette région avec son riche patrimoine humain, culturel et agricole, sont de plus en plus sous le seuil du sous-développement et dans la dépendance aux étrangers. Une décroissance qui, si rien n'est fait, sera très préjudiciable au web, quel que soit là où il est. Car d'un côté, le web sur place souffrira de l'incapacité de se prendre pour le mouvement vital. De l'autre, l'aventurier que nous sommes cédera face au rythme de l'expédition des biens matériels et financiers, ce qui réduira son auto-prise en charge et mettra difficulté dans cette initiative. Si de part et d'autre, il y a l'incapacité de s'auto-gérer ou d'entreprendre, sans même parler de développement, la vie civile sera hypothéquée. Au nombre de ces problèmes, s'ajoutent aux conditions des humains cohérentes de la famine, des maladies, de la prostitution, des morts, dans lesquelles vivent nos frères et sœurs ayant fui les guerres et n'ayant plus de moyens pour retourner au pays ou pour autre, n'ayant plus rien dans leur vie. Une récente lettre de l'association des Ouais au Maroc, que je suis maintenant ici, nous parle aussi de cette même condition. Une de nos sœurs, morte dans ce pays, fut enterrée dans des conditions misérables à Rabat. Ces cas sont légion au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, au Mali, au Cameroun, en Guinée et dans d'autres pays. C'est ici pour nous l'occasion de remercier tous les frères et sœurs d'Europe qui se sont déployés de manière volontaire, individuelle, en association ou en ONG et ont apporté tant à ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire pour exiler, soutien matériel, financier et moral. Les sources des problèmes des ONG continuent d'augmenter. Face à la multitude des situations des humains que vivent nos parents, nous, vos frères d'Italie, avons trouvé qu'il fallait s'interroger sur le rôle de la diaspora ouverte, surtout européenne, dans le développement des régions du Cavaillon et du Gaumont. Elle propose que des actions sages et de grande aventure soient posées afin d'apporter la vie, la liberté, l'épanouissement à l'ouest de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il faut une bonne synergie entre fils et fils ouest de la diaspora. Chers frères et sœurs, je voudrais donc attirer votre attention sur la nécessité d'une forte union pour un entrepreneuriat efficace. Lorsque cette synergie sera bien consolidée, la diaspora ouest amorcer véritablement le développement économique et social des régions du Cavaillé et du Gaumont par les actions suivantes. Construction des magasins d'alimentation et des transports. Organisation du secteur agricole. Construction des structures sanitaires et éducatives. Avec l'encore, insertion de la population dans cette activité. Au département, à savoir Bandolo, Le Lévin, Djogoué, Fabobine,
Dis-le, oui, oui, et tout le monde nous intervient. Loin de la prétention politique, nous voudrions que nous inspirions des exemples de développement des villes et villages européens. Nous savons par exemple qu'en Italie, des magasins propres que vous voyez ici sont en grande partie l'œuvre des agriculteurs et des locaux. Et ainsi, plusieurs secteurs sont créés et gérés par les coopératives. Mais force est de constater que, jusqu'à ce jour, rien n'est fait dans ce domaine dans nos régions. Notre réelle indépendance, chers frères et sœurs, partira alors de notre volonté, de notre implication dans le processus de développement, en synergie avec les élus régionaux. C'est alors pour nous l'occasion de saluer le programme de développement de notre tout nouveau président de région du Guémont, que je nomme M. Maris Biandi, que nous avons suivi tous les ans sur les ans pendant son séjour à Paris. Nous nous avons alors invité, chers frères et sœurs, pour réveiller en tout un chacun de nous, puisque cela est d'ailleurs l'intention de tous, la nécessité de suivre et de se mettre au travail. À l'image des Chinois partant pour le développement de nos régions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par ma voix, vos frères et sœurs de l'Italie vous souhaitent une bonne réflexion sur leur proposition. Je vous remercie.